Tout commence sur un tournage de pêche au large, dans la mer de Ligure, au cœur d'un sanctuaire dont je connais à peine l'existence. Ce n'est que 3 ans plus tard que je ferai plus ample connaissance avec Pélagos. Pendant l'année 2009, je passais quelques belles journées à filmer Patrice Garziglia et ses amis à la poursuite des grands prédateurs du large. J'ai nommé thon rouge, dorade coryphène et espadon principalement. À chacune de nos sorties, Patrice m'a montré que cette Méditerranée, entre Corse et continent, était d'une incroyable richesse. Nous faisions des rencontres toujours plus exceptionnelles, en tout cas pour moi, car Patrice, qui navigue ici depuis son plus jeune âge, a pu faire des milliers d'observations, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Dans un livre de photos publié en 2010, il nous apporte la preuve par l'image que cette nature incroyable existe bel et bien à quelques milles de navigation de nos côtes. Mais qui le sait vraiment? Vous, probablement, qui êtes marin, pêcheur, capitaine, océanographe, cétologue, naturaliste ou scientifique, vivant au bord de la Grande Bleue? Mais vous autres, plongeurs, apnéistes, amoureux des fonds marins et des images sous-marines, auriez-vous pu l'imaginer ou simplement le croire? Une fois le tournage de mon film de pêche terminé, je repensais souvent à ces animaux et ces rencontres quasi mythiques. Lorsque j'en parlais à mes amis et mes proches, je pouvais lire dans leurs yeux cette lueur de scepticisme qui me faisait passer pour un doux rêveur. Les mois passaient et Patrice me racontait ses nouvelles rencontres. Il ne se doutait pas encore, et moi non plus, qu'il m'avait inoculé un virus qui allait s'avérer être une addiction sévère. De temps en temps, il m'envoyait quelques photos afin d'illustrer par l'image mes récits de tournage de pêche en Méditerranée. Un beau jour, Patrice m'appelle pour me demander de lui faire un montage vidéo pour une animation et une série de conférences qu'il organise à Beaulieu-sur-Mer. Sujet : rencontre avec les baleines et les dauphins de Méditerranée. La matière vidéo, c'est lui qui me la fournira, grâce au caméscope qui l'accompagne à bord de son bateau. Il y a vraiment de quoi faire. Ces quelques journées de montage devant mon écran me replongent dans le bleu du large, au cœur de Pélagos, avec des séquences incroyables. Mais il manque dans ce montage tout le contre-champ, la face cachée, la vision sous-marine de ces grands mammifères marins. Dès lors, je n'aurai qu'une obsession, tourner ces images sous-marines et réaliser un documentaire inédit sur les cétacés de Méditerranée. Un an après, ce projet s'est concrétisé. Le documentaire a été diffusé et rediffusé sur une chaîne publique en 2013. Toutes ces images sous-marines ont été rendues possibles grâce aux connaissances et à l'expérience de Patrice, dans le respect de la charte d'approche des cétacés élaborée par Pélagos avec l'autorisation du ministère de l'Environnement. Mais revenons en mai 2012, le jour où tout a commencé. C'est le premier jour de repérage avant d'envisager le tournage. Je n'ai qu'une petite caméra GoPro avec moi. Je dois d'abord évaluer les possibilités de mise à l'eau avant de tenter quoi que ce soit. Nous sommes à bord d'un semi-rigide très rapide, spécialement conçu pour observer les cétacés en Méditerranée. Ma femme et mes filles m'accompagnent pour cette sortie découverte. Ce sera l'un des moments forts de ce tournage. Après une heure de navigation plein sud, Patrice repère un rorqual qui fait route vers nous. Il ralentit l'allure et observe le comportement de la baleine. Elle lui semble très paisible et avec un peu de chance, si elle ne change pas de cap, elle va passer très très près de nous. Sans réfléchir, Alix et moi nous nous laissons glisser dans l'eau bleue. Et là, dans la transparence des abysses, se profile une masse criassier énorme qui monte lentement vers nous. Mais où va-t-elle s'arrêter? Le géant de 20 mètres passe si près qu'Alix replie ses jambes par réflexe pour éviter le contact. Ce rapprochement d'une grande intensité émotionnelle durera quelques secondes d'éternité. Ce fut un peu le baptême du feu. Je comprends qu'une fois dans le bain, tout va très vite. Non, mais elle est pas si loin que ça. Nous
disposons au mieux de quelques secondes à chaque rencontre pour filmer un rorqual. C'est peu, mais c'est faisable en multipliant les sorties en mer. Et puis, il y a tant d'autres animaux à voir. Mai-juin, ce n'est plus tout à fait le printemps et pas encore l'été. La Méditerranée connaît en surface une vie intense. L'eau se réchauffe en quelques semaines passant de 13 à 22 degrés. Des petites méduses Velella envahissent la surface sur des kilomètres carrés. C'est une nourriture abondante pour les poissons-lunes qui s'attardent au contact des rayons du soleil. Comme les tortues d'ailleurs qui piquent un somme lorsque la mer est plate. Ces animaux débonnaires sont très farouches, voire méfiants. Ils préfèrent la fuite face à notre excès de familiarité. Il y a des jours où nous croisons sur le trajet jusqu'à une dizaine de poissons-lunes et 4 à 5 tortues. Cette concomitance d'espèces et de densité ne dure que quelques semaines, jusqu'à l'été. Ensuite, les observations se font moins fréquentes. Sur le trajet vers les baleines, nous pénétrons dans le domaine des dauphins. Cet animal, qui ne semble pas craindre l'homme, sera toujours là sans exception tout au long de nos sorties. Selon les jours et les moments de la journée, son attitude n'est pas la même vis-à-vis de nous. Tantôt joueur, surfant dans la vague d'étraves et nous gratifiant de sauts acrobatiques, tantôt distant, malgré nos désirs d'approche. C'est selon. Tout dépend de la phase d'activité dans laquelle il se trouve. Déplacement, repos, socialisation ou jeu, recherche de nourriture, présence de nouveau-nés. Une chose est certaine, c'est que nos dauphins bleus et blancs ne ressemblent pas à Flipper le dauphin. On ne fait pas ami-ami avec cette espèce. Croire que l'on peut se baigner et batifoler en pleine eau avec eux est illusoire. Pourtant, lorsqu'ils s'approchent du bateau, à quelques centimètres de nous, on peut imaginer qu'ils cherchent à établir un contact. Ce sont bien eux qui viennent vers nous. Si vous vous mettez à l'eau au milieu du groupe, en quelques secondes, ils disparaissent de la surface et de votre vue. Si vous êtes assez rapide et aquatique pour descendre à 15-20 mètres de profondeur, alors peut-être quelques individus viendront tourner autour de vous avant de s'évanouir dans les profondeurs. Contentons-nous d'admirer le spectacle qu'ils nous offrent sous l'eau et hors de l'eau, d'applaudir à leur facétie, de nous imprégner de cette joie de vivre communicative ou tenter de percer le mystère de notre attirance ancestrale. Moins nombreux que leurs cousins bleus et blancs, les dauphins de Rissot, encore appelés grands puces, en imposent par leur taille et leur fière allure. Notre première rencontre, et la seule de l'été, est venue récompenser cette attente. Leur somptueuse robe rayée noire et blanche en fait des dauphins à part. Une caste en quelque sorte. Un animal rare dans un halo de questions auxquelles les scientifiques n'ont que peu de réponses.
cette apparition, aussi soudaine que brève, nous a laissé un goût d'inachevé. Les sorties vont se succéder jusqu'à l'automne, avec, vissé au cœur, l'impérieuse envie de croiser, quelques secondes encore, le noble Grand Puce. Les cétacés sont aussi nombreux dans la mer de Ligure, c'est qu'une nourriture abondante s'y concentre au beau jour. Au début du printemps et jusqu'à l'automne se produit un phénomène de floraison planctonique qui, en quelques semaines, va permettre le développement de toute la base de la chaîne alimentaire. Tout commence par une remontée de sédiments poussés par l'upwelling qui va fixer le phytoplancton, puis le zooplancton, puis le krill et les prédateurs qui s'en nourrissent, baleines, thon, calamars, etc. Il n'est pas rare d'apercevoir dauphins et thons accompagner un groupe de rorquals pendant la phase de nourrissage. À plusieurs reprises, nous sommes tombés sur une chasse de thons rouges. Là, de la mer bouillonne d'écume sous les assauts répétés d'une horde à laquelle s'invitent les oiseaux dans une boule de poissons fourrage. Lorsqu'on approche, l'agitation en surface se dissipe. Les thons se mettent en retrait, les oiseaux s'écartent et les anchois bénéficient d'un moment de répit jusqu'au prochain rush. Je tente une mise à l'eau sur une petite boule d'anchois harcelée et au bout du rouleau. Dans la frénésie alimentaire, deux thons ne m'ont pas vu venir et je peux saisir l'instant avant leur disparition. Le Grand Large est le théâtre de la vie sauvage et des mœurs particulières. Nice. Ah, elle a plongé. Par exemple, les objets flottants et dérivants sont des abris providentiels pour les poissons juvéniles au stade pélagique. Plus l'objet est colonisé par des algues, plus la vie s'installe et accueille des autres commensaux qui eux-mêmes servent de réserve de nourriture à d'autres prédateurs, comme ces coryphènes autour de la boue et météo, ou ces cérioles, ces poissons pilotes, ces cerniers et ces grosses castagnoles. Une oasis de vie née dans un endroit improbable. Au chemin du retour, nous avons croisé un jour les drôles de globicéphales. J'attendais ce moment avec impatience, car je savais que ce seraient les seuls dauphins qui accepteraient peut-être de nager avec moi, s'enfuir. J'avais vu les images que Patrice avait fait à l'occasion de diverses rencontres avec les globis. Le bateau à l'arrêt, le groupe presque tout contre la coque, allant et venant, d'autres à la verticale, tête hors de l'eau, vocalisant comme pour établir un dialogue avec nous. Mon interprétation, probablement simpliste, voudrait me le faire croire. Sinon, que signifie réellement ce comportement en notre présence? Les scientifiques ne se prononcent pas vraiment. D'ailleurs, ils ne se mouillent pas beaucoup sur le sujet par manque d'études sur ces populations de cétacés. Pour avoir questionné des spécialistes travaillant dans le sanctuaire Pélagos, je me suis très vite rendu compte qu'on ne disposait pas d'informations précises sur la dynamique des populations et sur les aires de répartition en général. Les moyens dont ils disposent sont si dérisoires que les estimations sont très variables. Pour citer quelques chiffres qui ont le mérite de fixer les idées, la communauté scientifique admet que la population de rorquals communs en Méditerranée occidentale est de l'ordre de 3000 individus. Dans Pélagos, les dauphins bleus et blancs se comptent par dizaines de milliers. Les dauphins de Rissau seraient à peine quelques dizaines, voire quelques centaines. Idem pour les globicéphales, mais rien sur les cachalots. Autant dire que l'on ne sait pas grand-chose. Alors je me contente de les observer, en espérant à chaque fois croiser leurs regards.
Les yeux dans les yeux en dit beaucoup sur l'appréhension des rencontres. On peut lire la curiosité, la crainte, la témérité, l'agressivité, l'indifférence. Toute la difficulté est de croiser le regard de l'autre lorsqu'il n'y consent. Avec les globicéphales, c'est plus facile et on ne s'en lasse pas. En nous rapprochant de la côte, le long des premiers tombants vertigineux, rôde le cachalot à la poursuite des calamars. Ce plongeur des grands fonds est un apnéiste hors du commun. Le cachalot sonde pendant 20 à 30 minutes et parfois 90 minutes, avec un temps de récupération en surface d'une quinzaine de minutes. Le rorqual, lui, en comparaison, fait des apnées de 10 minutes maximum, avec seulement 2 à 3 minutes de récupération en surface. C'est grâce à ce temps de ventilation qu'il est obligé de passer à la surface avant de repartir se nourrir au fond, que j'ai eu la possibilité de filmer le cachalot. Ce jour-là, il a fait surface à quelques mètres du bateau, remontant d'une plongée éprouvante. Nous sommes beaucoup plus surpris que lui. Sa première réaction est de nous faire face, comme pour nous signifier « N'approchez pas ou je vous fais chavirer ». Les limites étant clairement établies entre nous, Patrice coupe les moteurs du bateau et à peine une minute plus tard, je me glisse dans l'eau en direction du cachalot. Je palme lentement en faisant le moins de gestes possible pour approcher au plus près. C'est mon premier face-à-face. Pendant quelques secondes, nous nous toisons du regard. Puis il soulève sa caudale pour sonder dans le bleu et disparaître de ma vue. Visiblement trop occupé à se nourrir, il n'était pas disposé à m'accorder davantage de son temps. Ce n'est pas toujours comme ça. Patrice a vécu cette expérience rare, lorsqu'il était à la pêche avec des clients, de tomber sur une réunion de famille. Cachalot adulte et juvénile, en pleine phase de socialisation en surface, ne prêtait aucune attention au bateau et à ses occupants. Moment rare. Je peux pas reculer les gars, je suis pas manœuvrant. Hein. Si nous tapes dedans, on est mal. Hein. Adrien, tu filmes ? Ah ouais. Toutes ces belles rencontres sont possibles dans Pélagos. Mais que recouvre la réalité de ce sanctuaire ? Est-il réellement un espace où les animaux sont protégés et peuvent vivre à l'abri de tous les dangers liés à l'activité humaine ? C'est l'objectif que se sont fixés la France, la Principauté de Monaco et l'Italie. En réalité, et avec tous les efforts qui ont été faits pour informer et sensibiliser les usagers de la mer, cet objectif est loin d'être atteint. À commencer par le trafic maritime intense qui traverse le sanctuaire. Chaque année, des rorquals et des cachalots sont percutés et en meurent lorsqu'ils ne sont pas tout simplement sévèrement handicapés. La pollution sonore est une nuisance que nous pouvons appréhender, nous humains qui la subissons dans nos villes. C'est encore pire sous l'eau. Le monde du silence n'existe plus lorsqu'on s'approche du littoral et des zones urbaines ou qu'un porte-container est en pleine mer. C'est non seulement assourdissant, mais ce bruit perturbe les communications à distance entre les mammifères. Il est d'autres menaces moins connues mais tout aussi mortelles pour les cétacés. Les manœuvres militaires avec les sonars de forte puissance, causant dégâts et troubles irréversibles sur les populations de cétacés présentes lors des essais. Que dire encore de la menace que ferait peser sur la vie marine un projet d'exploration pétrolière dans notre bassin méditerranéen ? Et la pollution chimique dont on mesure mal encore les effets ? Pélagos a le mérite d'exister, mais son pouvoir reste très limité pour espérer changer les choses à moyen terme. Malgré tout, il y a de quoi rester optimiste. Les observations faites ces dernières années montrent que les populations ne se portent pas si mal, qu'elles s'accroîtraient même. Les actions de sensibilisation commencent à porter leurs fruits. Chaque année, de nouvelles municipalités signent la charte d'engagement Pélagos. Peut-être pas encore assez nombreuses,
mais l'intérêt soudain que portent les médias sur les cétacés de Méditerranée peut accélérer le processus.